この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Formula 1 2003 sur PlayStation 2, la suite évidemment de la série fort connue sortie en 1996 sur PlayStation 1. Et du coup, on est sur PlayStation 2. Alors, on ressort, souvenez-vous, ça date d'il y a quelques temps, de Formula 1 2002 qui avait marqué un énorme retour en arrière sur la progression de la série. Un peu comme l'avait fait Formula 1 98 d'ailleurs. Dans une époque encore plus reculée. On va donc tester aujourd'hui ce jeu que je vais découvrir en même temps que vous. Donc du coup ça va me permettre de le découvrir sans avoir forcément d'a priori, même si je sais déjà que ça sera pas le jeu de l'année, loin de là. On a donc un mode un joueur, un mode multijoueur, un mode option pour les données du jeu, les récompenses et un mode spectateur. Ça c'est toujours intéressant d'avoir le mode spectateur, ça va me permettre de simuler des courses. C'est toujours... fait passer le temps on va dire, ça peut être sympa. On va voir les options. Alors, on a les réglages de configuration de manette, d'affichage, audio et langue. Alors déjà, je vais faire une première critique sur l'introduction du jeu. Ouais, bon, bah, ce sera pas l'intro qu'on va retenir. Hein. Concrètement, l'introduction de Formula 1 2003, elle est très très simple, très très courte, et il n'y a vraiment rien à voir, en fait. Alors, les réglages. On a les options de simulation. On peut choisir d'activer du coup les drapeaux, les règles, les dégâts, ah bon, on va tout activer, les pannes, la consommation, bon pas forcément parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt dans un test, hein. C'est évidemment quand on veut faire des courses un peu plus longues. Freinage ABS, oui, non, bah non, on va l'enlever, l'usure des freins, oh il y a l'usure des freins tiens, alors oui. Difficulté liée, on va le mettre en normal. Distance de course, 1 sur 3, 2 sur 3, complète, ok. On va aller voir les options météo. On a aléatoire, crash, forte pluie et soleil. On testera évidemment ça dans la vidéo. La configuration de l'écran, un joueur ou deux joueurs. Bah pour l'instant, on va faire qu'un joueur. La boîte de vitesse, automatique ou semi-automatique. Ok. Et les modes caméra cockpit pour le joueur 1. Donc on a dynamique ou statique. Ok, bon, on va aller un petit peu voir ce que ça donne juste après. J'ai pas vu du coup les réglages, la configuration manette. Priorité manette, c'est quoi ce délire? Priorité manette. Connecteur USB. Alors, est-ce que ça sous-entend que le jeu est jouable avec une manette différente? C'est pas forcément une PlayStation 2. Ouais, marrant ça. La première fois que je vois ça, en tout cas. Ensuite, ah oui, Speedster, voilà, donc on a le GT Force, on a le Driving Force. Ah, mais je pense avoir compris. C'est-à-dire qu'en gros, si vous branchez peut-être votre volant, qui potentiellement n'est peut-être pas forcément avec une prise de PlayStation, ce que je dis là est peut-être faux. Mais vous pouvez choisir de diriger soit avec la manette avant et après avec le volant, soit entièrement avec le volant par exemple. Je pense que ça peut, ça doit être ça le réglage, hein. Je vois pas autre chose. L'affichage, on l'a dit, la taille de l'écran, alors là on va laisser
On a l'écran large, l'écran normal. On va prendre l'écran normal puisque de toute façon on est sur du 4 tiers. Ce qui est bien, c'est qu'il nous explique vraiment ce que c'est la différence. Donc c'est un bon point. On a l'audio, les effets, musique arcade, musique menu, les commentaires TV, les commentaires stand. On a le mode de son stéréo, surround, mono. Et enfin, la langue. D'ailleurs, les langues, toujours le Xiaomi, décidément. Merci Raikkonen, merci Akinen à l'époque. D'accord qu'ils ont fait une langue spécifique pour 5 millions de personnes là quand même. Hein. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc on a un mode de jeu, mode arcade, mode de saison d'arcade. Ah, saison d'arcade, ok. Course personnalisée, week-end de course, championnat du monde et contrôle à montre. Alors, je vais m'arrêter tout de suite sur le menu principal. Il est assez clair. Franchement, on ne peut pas dire le contraire. On se perd pas. C'est ultra visible. C'est plutôt bien fichu, je trouve, en tout cas pour le moment. Donc le menu est plutôt une bonne. Un petit mot. Un bon point. D'ailleurs, ça nous permet de comparer le mode arcade et le mode. Course arcade. Alors, course arcade, je pense que vous allez comprendre ce que c'est. On va faire saison arcade parce que je veux vraiment savoir à quoi ça correspond. Alors, on va choisir du coup. On a la licence 2003, vous l'aurez compris, avec des 3D différentes entre les voitures. Bon, ça, on est en 2003, donc ça fait longtemps qu'on sait le faire. Voilà, donc on a la McLaren de David Coulthard et Raikkonen. On a les Renault de. Je crois que c'était Button à l'époque. Et Trulli, si je me trompe pas. Chez Sauber, on avait Heidfeld et Frentzen, je crois. On a Jordan de Fisichella et de Ralf Firman, normalement, en 2003, je crois que c'est ça. Ensuite, on a la Jaguar de Eddie Irvine était parti à la retraite, donc en 2003, ça devait être Mark Webber et Pizzonia, je pense. Là, on va pas les pilotes. Ça sera remarqué. Parce que si on choisit après, on va les avoir. On a la BR de Jacques Villeneuve et de. Non, Jenson Button, justement. Donc en 2003, c'était Trulli et Alonso. J'ai oublié Alonso. Incroyable. La Minardi de Verstappen et de. Il était grand ce pilote. J'ai oublié, décidément. Et Chiesa d'ailleurs, qui roulait en tant que. Pendant quelques courses, la fin de saison. J'ai oublié le deuxième pilote. C'est fort ça. Et eh ben voilà, on va l'avoir, c'est Justin Wilson, le pauvre, je crois qu'il est décédé d'ailleurs depuis. Paix à son âme. Donc on va prendre. Bon, on va prendre Minardi, tiens. On va prendre Verstappen. Ben on va faire honneur avec Justin Wilson, justement. Qui est un pilote qui était très grand, il me semble. Ou c'était Will Firman, je sais plus. Enfin, je sais qu'il y avait des deux pilotes qui étaient assez grands. Et du coup, ça posait un petit peu des problèmes sur la voiture, parce que la prise d'air étant située juste au-dessus du casque, ben, si tu bouges la prise d'air, ben, niveau fiabilité, c'est pas trop ça. Alors, on a fait une saison d'arcade, donc on a une course, on a un classement, on a la sono et on a la. Non, on va faire du coup le classement, bah bien sûr, il n'y a rien qui a commencé, mais on peut voir les classements de pilotes. Je suis vraiment fan de cette interface très claire. Et donc, Préparez-vous. c'est parti. Oula, alors je vais devoir jouer au joystick. Et. Oh là là! Alors, ça par contre, je vais détester. Je vais vraiment détester. C'est devoir jouer avec le. Alors je vais baisser un peu le son par contre parce que c'est vraiment trop trop fort. Je vais baisser de 5 décibels à peu près. Je vais baisser sur le casque parce que pour moi ça va être impossible de parler par-dessus le son. Même si pour vous c'est pas trop fort évidemment. Et donc là, on est en mode arcade, hein, je précise. Donc ça va être logique d'avoir un jeu normalement qui soit très très simple. Pas très simple dans le maniement avec pas forcément. Oula, en plus on a droit à des flèches pour nous indiquer où il faut aller. Donc là on est sur le circuit de Melbourne. On va voir si des choses ont été corrigées par rapport au Formula 1 2002, qui est en tout cas pour moi et pour beaucoup le pire Formula 1 ever, hein, enfin avec 98 hein, évidemment, mais en tout cas sur les versions PlayStation 2. Alors je suis censé être. Comment dire? Être fluide, plus fluide avec l'analogique, ça je n'y arriverai jamais, hein, je préfère vous le dire. C'est aussi dégueulasse que si j'étais avec la croix. Donc ça va pas être très agréable à suivre à ce niveau-là. Je vais voir si on peut régler après les paramétrages de la manette. Bon, en tout cas, c'est très directif, hein, voilà, vous voyez, je vais à droite, à gauche. Je trouve que le maniement est un petit peu différent du 2002. Ça a l'air de glisser un petit peu moins de l'arrière. Alors on est en arcade, hein, donc ce que je vous dis là est peut-être totalement faux quand on va faire le mode Grand Prix. Oula, je vais me prendre
La Williams, on va prendre à l'intérieur. Eh, hey, on est parti à tête à queue, vous nous a touché. Et on a les petits commentaires derrière. Alors j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Pourtant on est à 100% de commentaires et j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Et vous pouvez voir à gauche, en bas à gauche, je crois que c'est le niveau de dégâts de la voiture. Enfin j'ai l'impression. On va changer de vue. On a une vue intérieure qui est très très bien faite. Hein. Franchement, oh là, je suis parti à la faute. Qui est très très bien faite avec tous les éléments quasiment du volant qui s'allument. Donc ça c'est plutôt réussi. Une vue au ras du sol. Les collisions. Alors je sais pas si j'ai si les dégâts sont activés en mode arcade. Ouais, mais je crois que j'ai été touché je pense. On va se mettre en vue un petit peu extérieure. Et pour l'instant bah, on est 8ème, donc 3 tours à faire. Au niveau du HUD, bon bah là par contre c'est un défaut assez rédhibitoire. C'est qu'on n'a pas le HUD, l'interface en fait dès l'époque en fait. En 2003, il y avait encore le menu télé jaune et noir. Là, on les a pas. On a vraiment une interface qui est native au jeu. Du coup, c'est pas spécialement réaliste. Après, c'est très clair. Franchement, je trouve l'interface très claire. On a les tout qui ressort bien, toutes les informations sortent bien. On a un score en plus qui s'affiche. Je sais pas trop l'intérêt, mais bon, peut-être qu'il y a un high score à la fin, du coup. Je sais que les Minardi, mais pour l'instant, l'IA, on est en mode moyen, hein, je rappelle. On s'en sort plutôt bien. On est déjà 7ème, presque. Bon, on est dans les points, puisque c'est la saison 2003, donc les 8 promis marquaient des points. C'était la première saison où on inaugurait le nouveau barème. Et à l'époque, je me souviens avoir eu beaucoup d'espoir du coup pour Minardi, etc. Et finalement, la Minardi était totalement ratée. Elles vont truster les dernières places. Ah, il me semblait qu'il y avait des plots, je crois qu'on les a tous enlevés ou l'IA les a tous enlevés. Alors je rappelle que je découvre le jeu, hein, donc concrètement, si là, avec zéro entraînement, j'arrive à gagner, etc., c'est que le jeu est pas très difficile. Après on est en moyen, donc évidemment si je mets en difficile, ça sera peut-être un peu plus ardu. Et surtout on est en mode arcade. Donc c'est un jeu qui se veut pas simulation, à l'inverse d'autres Formula 1 de l'époque, en tout cas de la série, c'est un jeu clairement pas destiné pour être un Gran Turismo, enfin, ça voulait pas à l'époque être comme un Gran Turismo, si la référence de Gran Turismo a bien changé depuis. Et donc voilà, donc c'est un jeu qu'il va falloir prendre comme ça, c'est se dire, bon, c'est un jeu qui a la licence, c'est un jeu qui reproduit la saison 2003, va falloir prendre comme tel, mais il va pas falloir se dire voilà, on s'y croit, c'est la pure simu, etc. Là vous le voyez, là je suis ressorti de la piste, je suis revenu, la voiture a à peine glissé, donc c'est quand même c'est quand même pas super réaliste. Et on est dans le dernier tour. Ah non, c'est terminé. Alors là par contre si, on a l'affichage façon RTL, mais en fait c'était aussi l'affichage sur kiosque au niveau des graphismes, voilà, c'était vraiment celui d'époque. Donc Schumacher a gagné devant Montoya, Coulthard, Wilson, c'est nous, Barrichello, Raikkonen, Schumacher et Heidfeld. Et on a du coup le classement final. Alors je vais parler après évidemment des graphismes. C'est un jeu qui souffre des mêmes défauts que tous les jeux de PlayStation 2 finalement, c'est-à-dire un aliasing qui est assez présent. On peut le voir surtout sur cette image-là. Alors là, c'est en renforcé avec l'effet skyline, hein, du chargement. Mais c'est assez prononcé. Par contre, on n'est pas sur de l'écran cathodique, donc du coup, vous allez voir certains effets qui vont disparaître. Donc c'est une impression que c'est quand même pas si mal que ça. Le jeu est pas très joli pour l'époque, sincèrement. Après, la 3D est plutôt correcte. Mais moi, je le trouve normal, on va dire. Je sais qu'ils ont amélioré un petit peu ça à partir du 2004. On verra du coup dans le test de Formule 2004 d'ailleurs. Mais pour le moment, je suis pas trop convaincu. Après, pour l'époque, ça va. Mais effectivement, quand tu as la concurrence avec par exemple Grand Prix 4 qui avait déjà 2 ans mais qui était beaucoup plus joli, ça fait un petit peu mal. On va faire quitter la saison, hein, vous aurez compris que c'était juste un mode championnat. Mais ça va. Franchement, je serais pas autant critique que pouvaient l'être les testeurs à l'époque. C'est pas trop moche. Franchement, ça va. C'est quand même correct au niveau des graphismes. On va du coup... Alors oui, c'est ça que je voudrais faire. C'est dans les réglages manettes.
Je voudrais passer à la croix. Vous savez que je suis un fervent défenseur de ce mode de conduite. Configuration A. Ah mais je crois que je pourrais jamais faire comme ça en fait. Si c'est bon, configuration D, regardez, accélérer, freiner. Réparation de freinage, ah on peut modifier la réparation de freinage à l'écran, ça c'est intéressant. Rétroviseur, rapport suivre, rapport foyer, bon j'aurais préféré passer les rapports avec L1 et L1 mais en même temps en automatique donc c'est pas trop grave. Regarde, on peut même changer le contrôle de traction et la répartition freinage à la volée dans la voiture. Ça c'est pas mal parce qu'on est quand même qu'en 2003. On est sur un jeu PlayStation 2. Je sais qu'après, dans la série par exemple Codemaster, c'était possible de le faire un peu plus. On pouvait aussi le faire dans F1 Championship sur la PlayStation 3 et la PlayStation 2. Mais voilà, on pouvait déjà le faire à cette époque. Donc c'est la dernière configuration, celle que je vais prendre. Histoire d'avoir une voiture un peu plus facile à manier. Mais vous avez vu que même avec ça, j'ai quand même réussi à terminer quatrième, donc c'est pas trop grave. Allez, on va revenir en mode un joueur. On a vu la saison d'arcade, hein, vous avez compris ce que c'était. On va faire un petit week-end de course pour le moment. On va faire une course personnalisée d'ailleurs, on verra après ce que c'est. Et on a la Toyota que j'ai oublié. Et oui, effectivement, la Toyota qui était arrivée en 2002, mais qui avait quand même fini. Bah, ils avaient fini dernier, tout simplement parce que. Bah, parce qu'Arroz, déjà, avait disparu en 2002, et enfin, milieu de la saison 2002, et en plus, Minardi avait marqué 2 points grâce à Weber en Australie, donc avait déjà marqué 2 points d'un coup, et Toyota, qui avait marqué, je crois, autant de points, les avait marqués en 2 fois, donc avec un petit point, ce qui fait que la meilleure place finale était une 6e et pas une 5e, et Minardi était resté devant eux. On va prendre la Toyota d'ailleurs, bah pourquoi pas. Celle de. Alors attendez, je regarde un truc quand même. Un truc qui me chagrine un petit peu sur la Toyota de 2003. Ah, il y a un petit truc qui me gêne sur la 3D. Vous pouvez le voir en haut, hein, c'est sur la prise d'air moteur. Ils avaient en 2003 copié largement la Ferrari de 2002. Et justement, la Ferrari 2002 avait à l'arrière de la prise d'air un côté un peu plus bombé et qui replongeait d'un coup. Là, c'est tout droit et justement, ça remet un peu. Voilà, on peut voir en fait la comparaison. Ah, c'est léger. Non, ouais, on peut le voir légèrement. Vous voyez, ça, la courbe est pas droite en fait, à l'arrière de la capot moteur. Ça plonge d'un coup, puis après ça revient un petit peu sur une diagonale. Et là, on l'a pas sur la Toyota. Bon, vraiment là, je critique. Franchement, c'est au bazooka quoi. Hein. C'est des petits trucs qu'on n'a pas grand-chose à faire. Mais bon, ça reste quand même. Il y a une licence derrière, donc quitte à avoir une licence, autant faire les bonnes 3D, autant faire les bons pilotes, etc. J'ai pas trop parlé aussi de la tête des pilotes. Bon, voilà, hein. Donc ça c'est Panis. Si ça ressemble à Panis, vous m'appelez. On va prendre. Donc on a tous les circuits de la saison, vous l'aurez compris. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'ai envie de prendre quand même le Grand Prix de Monaco qui reste toujours un truc assez test. Normalement, il n'y a pas. Ouais, normalement il n'y a pas le Grand Prix de Spa parce qu'en 2003, il n'y avait pas le Grand Prix de Spa. Alors, on va faire du coup Monaco, histoire de voir un peu ce que ça donne. C'est la valeur étalon, hein, toujours en Monaco. Puisque c'est un circuit hors ville, et du coup on peut voir beaucoup les dénivelés, si le circuit se ressemble et est bien fait par rapport à d'autres jeux. Et du coup, on va charger le Grand Prix de Monaco. Week-end de course donc, on peut faire choisir la partie, quitter ou sauvegarder. On va faire continuer. Donc on a les essais libres, les qualifications, les essais libres. On est en 2003, j'avais oublié effectivement les qualifications sur un tour. Et voilà, et du coup on a aussi les qualifications le samedi, ça va être super intéressant. Alors je vous propose de faire les essais libres, en tout cas pour entraîner un tout petit peu, faire un tour ou deux. Donc on a le choix, rond ça nous permet donc d'augmenter un peu le son, la vitesse du jeu, pardon. Et donc là on voit qu'on est dernier, on peut aller dans le garage. Du coup, on a des réglages, voilà, que l'on peut faire sur la voiture. On va mettre l'angle de braquage maximum élevé, effectivement, puisqu'on est à Monaco, donc dans l'épingle, il faut pouvoir bien tourner. L'anti-roulis, je vais laisser par défaut, parce que j'ai l'impression que le jeu a quand même légèrement réglé la voiture par rapport au tracé. On va vite le savoir, surtout avec les ailerons. La boîte, bon, ça va être en auto, carrossage, ok, anti-roulis, les ailerons. Ah, ils sont au minimum, enfin au moyen, c'est bizarre. Non, peut-être qu'ils sont pas réglés finalement. A savoir qu'à Monaco, avoir beaucoup d'ailerons c'est bien, mais ça n'a pas tant d'intérêt que ça parce qu'on n'atteint pas des vitesses forcément très énormes. Et du coup, là, vous savez que l'aérodynamique
commence à avoir un impact à partir de 100-130 km/h environ. Peut-être un peu plus sur les Formule 1 parce qu'elles ont un CX de camion, mais voilà. Donc des fois ils mettaient pas forcément la charge ultra maximale. Donc là en fait ah, c'est un petit peu mieux, je revis. C'est certes toujours très directif, mais je reviens un petit peu. Et du coup, on va pouvoir voir. Oh là là, alors déjà j'ai commencé à taper le mur. Et on va voir si le circuit de Monaco est bien réalisé. Par contre, ce que j'aimerais faire. Je ne peux pas le faire, malheureusement. J'aurais voulu régler des éléments du HUD, c'est-à-dire enlever quelques éléments en trop. Des choses qui me paraissent un peu trop présentes. On a le tracé, hein, regardez qui s'affiche en bas. En haut à gauche, pardon. Pour voir où on est sur le circuit. Et là on va arriver du coup dans le tunnel. Bon, finalement je suis aussi précis qu'un camion. Alors donc on va arriver dans la chicane. Voilà, oh, attention, on tire tout droit. Bon bah ça nous a rien fait, on n'a pas eu les drapeaux. Je sais que j'ai pas activé forcément les drapeaux, donc logiquement je vais pas avoir de pénalité. On se souvient qu'à partir du 2004-2005 il y avait beaucoup plus cet aspect si tu coupes tu es pénalisé, etc. Là on est encore en 2003, enfin Formule 1 2003. Et du coup il n'y a pas trop de différence. Alors c'est pas évident. Là c'est pas évident qu'une voiture aussi directive d'être précis. Regardez la montée là par exemple, ça c'est totalement faux, ça n'existe pas messieurs. Ça monte pas autant que ça. Là la ligne droite est totalement trop large. On pourrait y mettre 4-5 voitures de front. C'est pas possible. Ça se resserre d'un coup. Bon la montée on va dire que ça peut aller. Mais ouais, il y a quelques incohérences sur le circuit de Monaco. On est loin d'avoir un circuit reproduit fidèlement. Je me souviens d'ailleurs à l'époque d'avoir vu les publicités pour Formula 1 2003, ils avaient fait pas mal de publicités. Il faut dire aussi que c'est une licence qui devait un petit peu renaître, hein, parce qu'avec l'échec du 2002, c'était complètement parti un petit peu en cacahuète. Sachant que 2003 est aussi la première année où Sony a l'exclusivité. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on avait EA qui pouvait faire des jeux, on avait Infogram, on avait pas mal d'éditeurs qui pouvaient s'amuser en récupérant une partie de la licence Formule 1 de faire un jeu de Formule 1. Du coup on a une concurrence qui était totalement ouverte. Et là le fait de Sony d'avoir pris l'exclusivité sur la licence Formule 1, bah ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Personne peut les contrebalancer, peut les concurrencer, puisque personne ne peut avoir la licence. Et c'est là où je trouve que Sony a été totalement dégueulasse et franchement ça m'a dégoûté. C'est qu'on avait EA Games qui faisait des jeux de Formule 1 plutôt pas mal sur console. On avait Infogrames aussi, qui avait fait le bon Grand Prix 4, on avait même Infogrames, mais il y a aussi oui, Grand Prix 4 avec, voilà, mais il y a aussi F1 Challenge, qui était plutôt pas mal. Et puis d'un coup, on se retrouve avec aucune concurrence, complètement. Et du coup, on a Sony qui récupère tout, et en plus, autant ils auraient pu faire comme Codemaster, c'est-à-dire un jeu qui soit quand même plutôt réussi, même si on peut ne pas aimer la licence de Codemaster, mais elle était quand même beaucoup plus au point à son arrivée en 2009-2010 que ne l'est par exemple ce jeu Formula 1 en 2003. Alors on va faire quitter, j'ai fait combien, un tour en 2025. Je vais aller dans le garage, je vais voir si au niveau de la direction je peux quand même pas changer quelques paramétrages. Manque de braquage, je vais mettre normal, hein. Boîte auto. Il n'y a pas la rapidité du volant, des fois souvent c'est disponible, mais là j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça puisse changer grand chose, manque de braquage. Ouais non, bah non, on va changer ça. Non. Bah on va faire sauvegarder réglage voiture. Je sais pas si j'ai de la place sur la carte mémoire. Ah il faut que je crée un profil, non mais tant pis. C'est pas grave, on va faire retour. Bon c'est pas grave, on va laisser avec. On va faire là. Confirmer réglage. Ah j'aurais dû faire confirmer réglage alors. Attendez. Confirmer réglage. On va la refaire. Je crois que c'est l'autre côté. Type de frein. Voilà, on va faire ça. Bon. Et là on va mettre confirmer réglage et quitter garage. Ah mais on est obligé de sauvegarder. Ouais non, en fait on est obligé. Je peux même pas faire de réglage sans sauvegarder, mais c'est une blague. Ouais bah oui hein, du coup. Bon c'est pas grave, on va faire quitter cette séance et on va faire oui. Et du coup bah, on va lancer les qualifications. Donc on va choisir la partie qualification du jeudi, qui a été fait donc en deux fois, vous l'aurez compris. Donc là normalement on peut voir bah voilà, c'est ce que j'espérais.
On peut voir les pilotes faire leur tour un par un. Je sais pas si on va voir quelque chose, si on va les voir sortir de la piste. Ah bah voilà, il va sortir. C'est Schumacher qui va s'élancer. Et là tout de suite, vous allez voir ce que donne un replay dans ce jeu. C'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse. Regardez-moi ça. On a l'impression que le jeu est en accéléré, ce qui n'est pas forcément le cas hein, quand on regarde réellement la vitesse du jeu. Mais le son est ignoble. On va voir un petit peu, voilà, un petit tour avec Schumacher. Enfin, on n'ira pas forcément jusqu'au bout. Du coup, on va pouvoir voir chaque IA faire son tour, sa tentative, jusqu'à arriver sur notre tentative. Nous, on va directement faire X pour passer au joueur, voilà. Et on va du coup commencer. C'est parti. Ouais, le son est un petit peu. C'est un petit peu bizarre, quoi. Un petit peu trop aigu, je trouve, à ma convenance. Après, à l'intérieur, ça se voit pas trop. Alors, je vais évidemment. Alors, je sais plus comment on change de vue. C'est pas celle. Non, je sais pas. Triangle non plus. Je sais plus comment on change de vue avec les nouvelles touches. C'est pas grave, on fera avec. Alors, c'est peut-être avec les joysticks. Non, peut-être. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, cette vue est pas mal. Je trouve que c'est la vue la plus jouable en général. Parce que. Bon, c'est pas la plus réaliste parce qu'il y a la vue cockpit. Mais on voit quand même à peu près bien devant nous. On voit un peu sur les côtés. Donc, c'est une vue qui est correcte. On va faire notre tour, voilà, hop. Donc on est le 13ème à s'élancer pour cette séance de qualification. Alors après on va pouvoir parler rapidement le temps de finir le tour. Ben voilà, j'ai coupé, c'est super. On va pouvoir parler rapidement justement de ce format de qualification qui à l'époque, enfin pour moi était un super format de qualification. Tout simplement parce que bah en fait ça laissait aucune place à l'erreur. C'est là qu'on pouvait avoir la meilleure voiture du week-end. Si dans votre tour critique vous loupiez, eh ben bah, c'était mort quoi. Enfin c'était difficile de rattraper ça. Et du coup ça faisait part un petit peu au talent pur du pilote de sur un seul tour réussir à, voilà, à donner le maximum pour partir près sur la grille. Enfin, pour partir sur en pole position, ou en tout cas partir le plus devant possible. Bon, le format a été abandonné puisqu'il y a eu des problèmes avec les changements climatiques aussi. Donc c'était voilà, c'est un petit peu ce qui était dommage. C'est pour ça que le format en fait n'était pas spécialement viable et pas forcément fair. Parce que là, imaginez, vous voyez de la séance de qualification, tout va bien, mais comme chacun est à son tour. Alors certes, le passage, le genre de passage était suite à la course précédente. Mais typiquement, je commence la course. Oula, je commence. J'ai plus 7 secondes. Je commence la qualification, il fait beau. Le 10ème pilote par exemple, il va démarrer son tour de qualification. Entre temps, la pluie s'est abattue, c'est mort. Il va partir dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement improbable, quoi, totalement impossible. J'ai jamais réussi d'ailleurs à passer de chicane depuis tout à l'heure, je suis en train de me rendre compte. Alors le jeu est quand même assez permissif. Les rails, ça fait une demi-heure que je les racle, il se passe pas grand chose. Pourtant, il m'a semblé avoir activé les dégâts. Je trouve le circuit un peu sombre aussi. Vous voyez là, le niveau de l'éclairage, bon, c'est le cas dans beaucoup de jeux. Mais c'est un petit peu dommage, j'ai l'impression que le soleil est en train de se coucher. Alors que logiquement, il devrait être pas au zénith, mais pas loin quand même. Donc là, j'ai fini à 2 secondes 214. Et du coup, bah, j'ai fait start, mais. Oula, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, du coup, voilà, donc on va passer directement à la course. Alors, il y a deuxième séance de qualification. Vous l'avez compris, le jeu a planté. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire la deuxième partie de qualification, mais on va faire directement la course. Donc, vous venez de participer aux qualifications avant de commencer cette course. Malheureusement, oui, mais bon, c'est pas comme si j'avais le choix. Vous devez participer aux qualifications? Oui, je vais continuer, merci. Donc, je suis obligé de passer les qualifications, c'est une blague. On va recommencer. Non, mais voilà, on va faire continuer. Et si je fais. Je vais faire recommencer la partie, c'est une blague. Bon, bah c'est pas grave, on va faire la qualification 2. Est-ce qu'après je peux quitter? Voilà, on va abandonner le tour de qualif. Et on va faire du coup passer les qualifications, fin de partie.
Et du coup, on va lancer la course. Voilà, c'est parti. Voilà, j'allais dire c'est parti, c'est bon. Donc on est parti, on peut voir, regarder le zoom sur le sur les feux, ça c'est plutôt bien fait. Et je crois que j'ai... Non, j'ai pas un peu... Ah, mais du coup j'ai changé le mode de maniement, ça s'est pas sauvegardé évidemment. Du coup on va faire le jeu avec... Avec bah, le joystick, du coup ça va être génial. Alors évidemment pas de sponsor tabac, toujours on peut voir Beyond Edge devant sur la Jordan, mais de toute façon il n'y a aucun jeu de Formule 1 quasiment avec les licences tabac. On va voir au niveau de l'IA comment ça se passe. Oh là, je suis parti un petit peu en dérive. J'ai le traction control, vous voyez en bas à gauche, qui est à 2, apparemment. Alors, je sais dépasser tout le monde. Oh là là. Je crois que je suis repassé en mode facile, du coup. Aïe aïe. Et du coup, l'IA, elle va pas être très forte, malheureusement. Bon, j'ai l'impression de glisser totalement. Donc là, voilà. Donc pour le moment, au niveau de l'IA, ça va pas trop mal se passer. Elles sont comme elles sont et moi je fais que couper en fait, je n'ai jamais réussi à prendre la chicane une seule fois. Et la chicane qui est pas réaliste hein, aussi, vous aurez compris, au niveau du dénivelé. Donc là il y a 26 tours à faire, enfin pas 26 tours, on n'est pas fou, mais voilà, donc on pourrait quand même faire 26 tours si vous voulez. Oh là là, regardez, je viens de taper les deux murs. Je crois que les dégâts sont pas activés non plus. Bah oui, du coup, j'ai pas eu tous les réglages. Malheureusement. Bon, en tout cas, voilà, vous aurez le jeu en mode par défaut. Du coup, ça sera intéressant de tester le mode championnat avec bah, les réglages un peu activés. Alors, c'est vrai que j'ai gardé panique, j'aurais pu changer de voiture vu que j'ai recommencé un peu. Mais bon. Bon, allez, ça glisse un petit peu de l'arrière. Voilà, je veux pas passer là. Oh là là là, par contre dans le braquage, ça va être limite, ouais, ça passe. Ça passe légèrement, c'est moyen. Voilà, bon, hormis les quelques défauts du circuit de Monaco, on va dire que ça passe, hein, y a bien eu pire dans notre jeu. Mais bon, voilà, il y a quelques petits manquements. Et comme je vous dis, je trouve pas le jeu spécialement moche. Alors, oh là, par contre là, j'ai sorti Ralf Schumacher. Ouais, c'est Ralf Schumacher, mais ça va, il s'est remis en piste, il a pas trop souffert. On me dit ouais il faut doser, mais alors, je sais absolument pas doser avec, avec un joystick. La dernière chose que je sais faire. On va passer à l'intérieur. Ah il m'a poussé je crois. Et ouais. Et du coup il est repassé devant. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un arrêt au stand, voir un petit peu comment ça se passe, voir si on a du coup les mécanos qui vont s'affairer autour de la voiture. Moi, on ne voulait pas d'être totalement bourrin dans ce jeu, hein, vu qu'on vous dit je dégoûte un peu et c'est pas évident de. C'est pas évident au début de gérer comme ça. On dit ça, mais pour l'instant, on est quand même 9ème, c'est pas trop mal. Oh la vache, et on a touché. Par contre, j'ai pas réussi à dépasser. Raf Schumacher depuis tout à l'heure. Pour l'intérieur, on fait une Irvine. Non, on fait une panique sur. Panique sur Irvine en 96, non? Allez, on va faire comme ça. Allez, reprendre l'avance. Bon, bah là j'ai un petit peu du mal à garder le rythme, vous l'aurez compris. Donc ce qui est quand même, voilà, ce que j'aime bien au niveau de l'interface, c'est quand même ce petit... Oh là 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 là, regardez-moi ça, on a mis une vue séparée. Et quand même repasser devant nous, c'est incroyable. C'est cette vue du circuit où on peut voir à peu près où on en est par rapport aux autres. Ça c'est bien, ça permet un peu de se positionner. Parce qu'on n'a pas trop d'autres infos par rapport à ça, hein. On voit un petit peu les écarts des fois au niveau des secteurs. Et là, ça permet d'avoir une vue un peu plus plus d'ensemble. Bon, alors je fais n'importe quoi. On va rentrer au stand, c'est parti. Ah, vous entendez, il y a un problème pour rien autre lit. Pas de moteur peut-être, donc c'est-à-dire que l'IA peut abandonner. Donc là, on est dans les stands, on a un vue casque, c'est assez original. Et on ressort direct, c'est quoi ce délire? Il n'y a pas d'arrêt au stand dans ce jeu. Oh, regardez! Vous avez vu une voiture qui était en... On a vu le moteur qui était totalement explosé. Et du coup il était sur le bas côté. C'était pas mal, c'était vraiment pas trop mal fait. Donc le jeu voilà, gère les abandons des pilotes IA. C'est pas une nouveauté loin de là, hein, mais bon au moins il le fait. C'était déjà ça de près. Allez.
Donc quand je me suis arrêté au stand, je suis 19ème sur 19ème, ça veut dire qu'il y a eu... il y a déjà eu 3 abandons. Non, il y a déjà eu un abandon, pardon. C'est qu'il n'y a plus que 20 voitures en 2003. D'ailleurs, je me souviens à l'époque que... c'était pas super cool d'avoir seulement 20 voitures. De toute façon que la F1 commençait à avoir beaucoup de problèmes. Puisqu'il y a eu beaucoup de constructeurs qui étaient disparus. Il y a eu disparu, hein, procès a disparu... pour la saison 2002, Rose en milieu de saison, enfin c'était quand même compliqué. Je fais n'importe quoi. Bon, on va faire start, on va revenir au menu. Et ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit tour contre la montre, mais en mettant la pluie, voir un petit peu comment c'est modélisé. Donc on va aller dans les options. La configuration manette, je vais justement me remettre sur le premier réglage qui était pour moi le plus facile. Ah, attendez, je vais quand même regarder quelque chose. Comment on change de vue? Ah, c'était L1. Ok, d'accord, L1 pour changer de vue. Donc ça c'est bon, configuration, réglage, voilà, réglage, option simulation, on va tout remettre, hein, quasiment, dégâts, panne, freinage ABS, non, usure des freins, oui, difficulté en mettre en moyen, distance de course, vous voyez, on était à un tiers, on avait quand même 26 tours à faire à Monaco, ça c'est un petit défaut, concrètement, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu choisir au moins, les classiques c'est quoi, c'est 3, 5, 10, 15 tours par exemple, quand on fait une course rapide. Là, on est forcé en fait de faire 26 tours, c'est beaucoup quoi. 26 tours, faut avoir envie. Hein. Surtout pour un jeu qui va s'adresser un peu à tout le monde. Et vous savez très bien que la moyenne des gens qui vont jouer à ce jeu-là, étant pas portés totalement simulation, ne vont pas accepter de faire des courses aussi longues. Donc là, j'accepte. Au niveau de la météo, on va tenter, du coup, je vous l'ai dit, la forte pluie, voir si ça a un petit impact. Donc ça on va faire retour, parce que là c'était bon, on va faire donc un joueur, et là on va faire un petit contrôle à montre. On va changer d'équipe un petit peu, on va prendre... Alors, je sais qu'il y avait Raikkonen qui se battait pour le titre en 2003, on va prendre la voiture d'Alonso, tiens, pour une fois. Alors ça c'est Trulli, pourquoi pas, c'est Alonso, voilà, décidément. Alonso qui a d'ailleurs gagné sa première victoire en 2003 au Grand Prix de Hongrie. Du coup, ben, on va peut-être refaire un petit peu l'histoire. On va changer, on va mettre le circuit en Grand Prix des United States. On va prendre le Grand Prix d'Hongrie, carrément. Enfin, le circuit de Hungaroring. Et on va voir comment ça se passe avec la Renault. Alors c'est Sean Paul qui a le meilleur tour en course, vous pouvez le voir. David Richards sur la Williams, c'est deuxième. John Cash, je sais pas qui c'est. Mark S, bon ça c'est une voiture. Gavin, je ne sais pas qui c'est. Ça sent le nom de développeur, mais bon. Donc, une 18-8 à battre. C'était quoi ce délire là? Alors le Blue World évidemment, puisqu'on peut pas mettre les sponsors tabac. Du Mail 7 classique qu'on avait à Hongrie, de Hongrie d'ailleurs, puisque Hongrie ne bridait pas le tabac. Alors, pendant la licence Formula 1, j'ai une petite anecdote au cas où, c'est que le saviez-vous, alors je vais parler du premier épisode hein, de Psygnosis, le Formula 1, le tout premier, celui sorti en 96. Eh ben, il était prévu qu'il sorte sur Sega Saturn en 97, c'était l'éditeur Probe qui avait prévu de racheter, de porter le jeu sur Sega Saturn. Mais malheureusement, comme les droits FIA de la saison 95 a été passé à expiration et que ça leur coûtait trop cher, eh ben, le jeu a été abandonné courant de la saison 97. Alors vous allez me dire, sortir un jeu en 97 sur la saison 95, il fallait vraiment le vouloir. Et je vais vous dire, vous avez raison. Mais je vous avoue que ça aurait été la meilleure simulation de Formule 1 sur Sega Saturn aussi. Hein. Donc je suis un petit peu dégoûté de le savoir. Je sens que beaucoup de jeux de Psygnosis ont été adaptés sur Saturn un petit peu... pas forcément contre leur volonté, mais... enfin, c'était pas forcément ce qu'ils souhaitaient faire, parce que Saturn avait été difficile à gérer pour le développement des jeux. Donc là, on a fait un petit tour du Grand Prix d'Hungaroring. On va essayer de voir... Ah par contre, attendez, il me semblait que j'avais mis qu'il pleuvait, moi. C'est quoi ce délire? Ah, il pleut pas? Fichez de moi, là. Alors peut-être que c'est en week-end de course qu'on aura la pluie. Ouais, je pense que c'est peut-être en week-end de course.
En tout cas, vous aurez vu donc le Grand Prix de le circuit de Hungaroring. On a l'hélicoptère en haut, mais qui bouge pas. Ça, c'est dommage. Ah, c'est quand même plus facile avec la croix. Enfin, ça reste mon point de vue, mais c'est que je trouve que je suis beaucoup plus précis. Voilà. Donc là, justement, on va reparler un petit peu de technique pure au niveau de ce jeu. Bon, ça reste correct. Hein, je veux dire, c'est pas un mauvais jeu. Mais il y a quand même des trucs, bon voilà, les réactions de pilotes, les collisions entre les voitures, la 3D qui est un petit peu pas forcément parfaite. Le circuit pas forcément ultra fidèle non plus. Qu'est-ce que je pourrais reprocher aussi? Les sons des Formule 1 qui sont corrects mais sans plus. Ben voilà, c'est un jeu moyen qui peut faire l'affaire. En tout cas, à l'époque, on pouvait faire un peu l'affaire. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix, à part faire du modding sur PC. Ah, on a droit à un petit fantôme. Il est magnifique, le fantôme. Ah, je le trouve, mais magnifique. Avec cet effet essence, là, si vous pensez aux petites billes, il est quand même... il est stylé, quoi, le fantôme. Limite, je rajoute un point au jeu, rien que pour ça. Non. Allez, on va sortir de là. Fin du contre-la-montre. Donc on a fait un tour en... je sais pas. 1.18.0.99. Bah du coup on est un génie parce qu'on a battu les développeurs, j'ai l'impression. On va faire accepter. Ah, c'est bien ce que je pensais, on a battu les développeurs en un coup. Ah, c'est dommage les gens. Quitte à faire un mode avec un contre-la-montre. Toujours plus intéressant de faire des temps qui soient un peu difficiles à battre, quoi, où il faut un petit peu galérer. Là, j'ai fait un tour chrono, je l'ai battu. C'est dommage. Allez, on va faire quitter, on va faire confirmer. On va faire un mode championnat, histoire de découvrir un petit peu Melbourne et voir comment ça se passe. Et j'ai gagné un trophée. Votre récompense sera sauvegardée à la prochaine sauvegarde des données. D'ailleurs, regardez, on va faire un petit peu un tour au niveau des récompenses, la salle des trophées, justement. Et vous voyez tout ce qu'on a, donc on sait après à quoi s'en tenir. Hein. Là par exemple, on sait que c'est des contre-la-montre. Voilà. Mais peut-être qu'il y a d'autres. Alors c'est difficile à savoir ce qu'il y a autour parce que y a pas d'ordre, je peux aller à l'infini. J'ai que du contre-la-montre là qui me donne des trophées, c'est quoi ce délire? Alors je sais pas trop comment ça se passe, hein. On est au niveau des trophées. Peut-être qu'après il y a d'autres qui apparaissent, là on est un petit peu. Je sais pas, je sais pas du tout. Saison d'arcade, si. Saison arcade, championnat du monde, contre-la-montre Hongrie. Bon voilà, donc on peut débloquer si on réussit bah, l'arcade, etc. Pas mal de choses à débloquer. On peut voir les crédits du studio Liverpool. On peut faire un mode spectateur. On va lancer le mode spectateur d'ailleurs, histoire de. Alors je vais faire une petite sauvegarde rapide parce que j'ai pas envie de me retaper au cas où si ça bloquait. On va par exemple faire une course rapide sur le Brésil, tiens, par exemple. Et comme d'habitude, vous voyez, je peux placer. Les voitures sur la grille. Alors, donc là, si je vais au bas, je choisis mon pilote. Et si je fais gauche droite, je peux les placer comme je veux. Bah, limite, je pourrais mettre Fisichella là, premier de la course, sous la pluie. Écoutez, attendez, soyons fous. Voilà, on va mettre Fisichella là. On va mettre par exemple Raikkonen deuxième. Souvenez-vous. Troisième, j'ai qui c'est qui a fait tourner en troisième d'ailleurs. Je sais même plus qui c'est qui finit troisième. J'ai toujours passé à l'as, cette histoire. Je sais qu'Alonso, je crois qu'il était sur le podium à un moment avant de se crasher. Bon, j'ai oublié, vous allez sûrement me le dire dans les commentaires. On va mettre Alonso pour la postérité. Voilà. Tac, on va le mettre troisième. Schumacher qui avait abandonné, on va le mettre un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Verstappen avait abandonné aussi. De toute façon, ils étaient tous plantés dans le virage. On va faire sélection, on va passer à la suite. Je vais pas non plus trop m'étendre. Donc on va voir un petit peu. J'espère qu'il y aura de la pluie. J'ai mis de la pluie normalement dans les réglages, donc il devrait y avoir de la pluie. Peut-être qu'en mode rediffusion, c'est pas pris en compte, je sais pas, on va le découvrir. Chargement du Grand Prix du Brésil. Non, c'est bon. Le Le changement est Grand un peu Prix du long, j'ai eu Brésil peur. 2003 va se courir sous la pluie. La procédure de départ est enclenchée, les feux vont s'allumer puis s'éteindre pour lancer les monoplaces. Ah, il fait un petit peu penser à la... Ah, ouh, il s'est loupé un petit C'est parti, peu. et déjà les pilotes se décalent pour améliorer leur position. Attention au premier freinage, très bosselé sur ce tracé d'Interlagos. T'as avec Raikkonen, regardez, on a Fisichella là qui est deuxième, qui a déjà Attention, perdu de premier tour position. pour Et on peut voir du coup le pilote. décélérer pour la grande ligne droite.
Donc là, 24 tours, parce qu'on est en mode course rapide. Ouais, ça prend les réglages hein, qu'on lui donne, donc ça c'est bien. Je peux changer les pilotes avec les croix directionnelles. Il y a une légère touchette de la part de la voiture qui le suit. Oui, ce tout petit manque de concentration aurait pu mettre fin à la course pour les deux pilotes. Alors c'est étonnant parce que j'ai l'impression de reconnaître Lafitte un petit peu, Balbranc aussi. Mais le son est un petit peu bizarre. Alors je sais pas si c'est eux qui ont fait les commentateurs pour le jeu. Puisque là il est déjà replongé en 4ème position, c'est impressionnant. Regardez quand même le nombre de vues. On est en mode automatique, voilà, donc il va changer automatiquement de pilote, je pense. On est sur D'Amata. L'occasion justement de regarder un petit peu les graphismes de manière un peu plus approfondie. Bon, la pluie est pas mal faite. Sincèrement, je la trouve très correcte. Les projections, on a les projections sur la caméra. Bon, c'est loin d'être une nouveauté, hein. On va quand même se le dire. Par contre, c'est correct. Le replay est assez dynamique. Par contre, vous pouvez voir que la 3D, c'est un système qui était très utilisé, même toujours utilisé à l'époque, même si ça a bientôt peut-être évolué. Le fait d'avoir, en fait, pour vous expliquer, vous pouvez voir que les voitures, la 3D change si on est plus ou moins loin. Par exemple, là, la Sauber, elle change, puis pouf, elle apparaît d'un coup en étant beaucoup plus précise, la 3D. C'est un système, en fait, qui permet de décharger la carte graphique en nombre de polygones, tout simplement. Mais là, c'est assez présent, hein, ça se voit copieusement dans les replays, c'est assez dommage. Quand on dézoome de la voiture et qu'on est un petit peu plus loin, paf, elle perd des détails. Là, les détails sont au maximum, on est très proche, et plus on va s'éloigner, plus les détails sont en train d'être perdus. Alonso qui est bloqué derrière Fisichella. Par contre, la pluie, franchement, j'ai rien à dire, c'est très bien fait. Ah, typiquement, il s'est fait doubler, mais bon, on l'a pas vu quoi, la caméra était du mauvais côté. Je pense que c'est Lafitte. Je pense que c'est Lafitte qui fait les voix derrière. Enfin, en tout cas, je pense que ça va être Malbranc qui est Lafitte. Ouais, je pense que c'est eux. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est eux. Oui, c'est quand même plutôt joli. Hein. C'est quand même plutôt bien fait. Bon, après, ça reste brouillon en termes de réalisation. Hein. Regardez là, par exemple, on perd l'affichage du support d'aileron sur la Williams quand c'est un petit peu loin. C'est quand même. Regardez là, on a même perdu le pilote quasiment. C'est quand même assez exceptionnel quoi, enfin c'est dommage mais bon. Espérons qu'aucune des voitures n'ait subi de gros dégâts. Donc là il reste encore 22 tours à faire. Bon voilà, c'est pas mal mais c'est pas non plus super convaincant. Je trouvais par exemple la version 2001 qui était une des premières à avoir mis ça en place il me semble un peu plus réaliste à ce niveau là. Mais bon, le mode y est, c'est gratuit, ça paye pas plus cher de l'avoir, donc bon. On va pas trop critiquer à ce niveau-là, hein, c'est pas là où le jeu est le plus critiquable. On va faire le championnat du monde. On a pris la Renault, alors la Sauber de 2003 qui n'avait pas été exceptionnelle la saison de Sauber en 2003. Ils avaient fait un podium, je crois que c'était à Indianapolis, c'était à Heidfeld, je crois, qui avait fait le podium. Ou Frenzen, non, c'est Frenzen qui avait fait le podium. Je sais plus trop, on a Jordan 2003 qui est totalement débordé de sponsors, hein, mauvaise saison hein, pour Jordan en 2003. La Jaguar, bah écoutez, on va prendre la Jaguar. Parce que Jaguar justement s'était réveillé en 2003, après les débuts des saisons catastrophiques en 2000, 2001, 2002. La voiture 2003 était quand même beaucoup plus réussie. Et ce qui est paradoxal d'ailleurs avec Jaguar à cette époque, c'est que c'est au moment où ils ont commencé à sortir de l'eau en fait concrètement, que les moyens ont été réduits, que l'équipe était en manque de moyens. Et c'est vraiment très dommage parce que c'est une équipe qui était en train de progresser, vraiment. On le voyait avec Weber, etc. Et c'est dommage, ils n'ont pas pu aller vraiment très loin à cause de ça, puisqu'après ils se font de toute façon récupérer par Red Bull. Même si Red Bull, de cette manière, a prolongé magnifiquement en fait la suite de l'histoire. On va faire choisir la partie. Mais c'est un petit peu dommage. Alors les essais libres, les qualifications, on va partir dernier, c'est pas grave. On est obligé de faire les qualifications à chaque fois, on va partir... Oui. Partira dernier, c'est pas grave. On va faire commencer. Et comme j'ai activé la pluie, ben on va se taper la pluie sur le Grand Prix d'Australie. Ben ça va nous permettre de tester un petit peu, voir si le jeu est différent quand il pleut ou pas, tout simplement. Alors on a quelques effets de réflexion, vous voyez, sur la piste. C'est très bien fait. C'est très bien fait. J'ai rien à dire là-dessus. Alors est-ce qu'après ça va être réaliste au niveau de la conduite? Non, concrètement ça ne l'est pas.
D'ailleurs, si vous voulez voir des jolies qualifications sous la pluie, je vous propose de revoir, enfin en vrai en tout cas, de revoir les qualifications, je crois qu'elles sont sur YouTube, du Grand Prix du Canada 2003. Franchement, c'est super impressionnant. Vous allez voir du coup les pilotes sur un tour avec une piste totalement détrempée. À la limite, on voit les reflets sur la piste pratiquement partout. Il y a d'ailleurs un autre replay du Canada, je sais plus en quelle année c'est les années 80 ou fin 70, qui lui aussi est super impressionnant sous la pluie. Et ben là, écoutez, c'est pas mal, non, c'est pas mal. Bon, évidemment, on a le traction control à l'époque, donc ça aide un petit peu. Il faut imaginer sans traction control, je pense que ça va vraiment être pire. Mais bon, voilà, comme je vous dis, c'est pas un jeu de simulation, donc on va pas le tirer ni à rigueur. J'aurais aimé par exemple pouvoir. Oh là là, la touchette! Et c'est remis, on a eu du bol, hein. On a du bol. Faut changer la vue, c'était L1, voilà, donc on va se mettre un petit peu dans cette vue, histoire de. Oui, le jeu n'étant pas simulation, pour moi, c'est pas trop grave que la pluie soit pas super bien fait. Enfin, ça glisse un peu plus, voilà, tout simplement. Mais c'est très léger, c'est très léger. En tout cas, je salue quand même les efforts sur les volants. Réellement, je trouve que c'est très bien fait. Et la pluie est quand même assez réussie. Changer de vue un petit peu, on va se mettre en vue un petit peu éloignée, voilà. Bon, alors cette vue, c'est la vue un petit peu débutante, celle-là c'est encore pire. C'est la vue qui marchait à l'époque dans les premiers jeux de Formule 1, en tout cas en 3D. Oh, regardez, hop là, on va se remettre sur la piste. Ça marche dans les premiers jeux de 3D, mais c'est le genre de vue que vous allez quitter largement après quand vous allez commencer à passer le cap des consoles type PlayStation et Dreamcast. Et vous allez surtout jouer avec ce genre de vue ou la vue embarquée. Je suis content parti à la faute. Et apparemment j'ai pété ma roue, enfin si je me réfère au rouge, j'ai pété les plots. Si je me réfère aux petites icônes en bas à gauche, même si je ressens pas trop de différence. Bon, on va faire start, on va faire abandonner, et on va lancer la course directement. Donc on passe la qualification, fin de partie, et on va du coup, alors j'ai quoi, passer la course, non pas passer la course justement, on va faire la course. Et là on aura bah, normalement 26 tours à faire avec ces fameux feux. Je trouve ça, j'aime bien, ce petit écran avec les feux c'est toujours plutôt réussi. Et c'est parti. On part donc dernier évidemment puisqu'on n'a pas réussi à faire un tour de qualification convaincant. Alors il y a les dégâts normalement, je crois que j'ai tout activé. Donc on va faire un petit peu attention, on va faire quelques tours. Je pense qu'on s'arrêtera peut-être là, ça fait 52 minutes de vidéo. A la limite on fera peut-être un dernier circuit histoire de. Regardez, quand je freine par contre voilà, j'ai le blocage des roues qui est activé, parce que j'ai pas d'ABS. Donc on peut voir que ça. Que les roues se bloquent quand je freine. En tout cas sous la pluie ça se freine beaucoup, ça se bloque beaucoup plus vite, ça c'est assez réaliste. Par contre voilà, ce que je n'aime pas c'est vraiment les écarts que fait la voiture. C'est moi où il n'y a pas de commentateur par contre, ça c'est un petit peu dommage. Alors évidemment nous ferons un jour la suite, oh là, avec les F1 2005, 2004, etc. Même si il me semble que je l'ai déjà fait, mais bon. Je crois que c'est dans ces 2006 qu'on avait fait. On les fera et on pourra comparer du coup avec le 2003, c'est pour ça que j'ai toujours préféré faire le jeu, les tests un petit peu dans l'ordre sur la série Formula 1. C'est pour pouvoir comparer avec l'épisode d'avant à chaque fois. Ça glisse pas mal. Donc là on est en moyen par contre, hein, on n'est pas en facile comme tout à l'heure sur Monaco. Bon bah voilà, l'IA est un petit peu plus rapide. Donc je trouve pas le jeu foncièrement mauvais, hein, vous l'aurez compris, je vais essayer de commencer à résumer un petit peu cette vidéo, même si je pense que vous aurez compris déjà le message. Par contre voilà, c'est un jeu qui est obsolète, c'est un jeu qui est obsolète largement à notre époque, c'est un jeu qui est obsolète par rapport aux jeux de simulation PC. Celui qui avait la console, bon bah, ils sont en train de ça. Mais voilà, c'est loin d'être le meilleur Formula 1. Après il a quelques parties intéressantes, il est pas à jeter. Simplement. Alors j'ai pas trop fait les changements à la volée de réparation de freinage puisqu'on peut le faire. Et aussi je crois le traction control. Je trouve que ça me sert à rien donc pour le moment je le sais comme ça. Mais il y a potentiellement un intérêt à le faire en course. Hein.
Par contre, j'ai vraiment envie d'essayer de m'arrêter au stou. Oh là là, attendez. Oh, le 360, il était magnifique. Celui-là était magnifique. D'accord. Donc, les commentateurs, je pense qu'ils sont surtout en mode rediffusion. Puisqu'on a quand même un spotter qui nous dit quoi faire. Enfin, il nous dit un petit peu ce qui se passe en course. Donc, à mon avis, c'est que pour le mode rediffusion. Et vous avez vu que les vibreurs glissent énormément, et alors là c'est encore pire, on porte seulement à la faute. Eh, j'ai cassé ma roue et mon aileron. Alors, ouais, ça me met à bon. J'ai eu un petit espoir pendant quelques secondes, je me suis dit, est-ce que le jeu va me laisser quand même rentrer au stand pour tenter de réparer? Pas du tout. Par contre, là je vais rajouter un très très bon point. L'accident était très réaliste. Le choc sur le mur avec l'aileron qui se casse et les pneus qui partent directement. Rien à dire. Vraiment rien à dire. Je sais pas après évidemment sur d'autres types d'accrochages que ça peut donner. Mais là ça m'a surpris en bien concrètement. L'abandon était logique. J'ai tapé fort le mur. J'ai abandonné direct. Donc c'est un bon point. Et en plus ça nous a permis de voir les dégâts. Parce que j'avais pas pu vous montrer tout à l'heure. Du coup on va changer le Grand Prix de Malaisie, mais je pense qu'il va pleuvoir à chaque fois du coup, vu que j'ai mis la pluie à toutes les courses. Bah écoutez, on va finir là-dessus, sur 2-3 tours en Malaisie, et puis on passera à... Voilà, la conclusion vous l'avez, hein, de toute façon. Choisir parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un petit essai libre, voilà, sous la pluie. On va aller dans le garage, histoire de voir si on peut quand même changer nos pneus, mais je crois qu'on peut pas, puisque le jeu il va nous dire qu'il faut sauvegarder. Type de pneu pluie, bon bah c'est bon, en fait on est plus ou moins déjà bien réglé. On va faire rond pour afficher les chronos. Et on va faire quitter le garage. Et on va ressortir. Carrément, ok, il nous pousse, tout va bien. La Toyota qui s'en fiche complètement. Et finalement, les arrêts au stand, j'en ai pas vu. Enfin, j'aurais dû peut-être mettre en mode course, mais vous avez vu tout à l'heure, il n'y en avait pas. J'ai pas trop compris, alors c'est parce qu'on était peut-être en course simple, je sais pas trop. Mais ça aurait été intéressant de pouvoir voir ce que ça donne. Oula, alors par contre là je vais le rattraper d'un coup, je crois que c'était Panis ou Damata. Si je me souviens bien, je crois que c'était au Grand Prix de Silverstone 2003 où justement il y avait Damata qui avait été en tête à un moment. En tête de la course à un moment. Les Toyota 2003 qui avaient bien progressé d'ailleurs hein, par rapport à celle de 2002. Bon, 2002 c'était la première année, c'était une année d'essai donc. On n'attendait pas Toyota gagner quoi que ce soit, au contraire, même s'ils avaient quand même une voiture assez correcte. 2003, ils se sont bien améliorés. 2004 aussi, 2005, c'est plutôt... ça a été des années de progression hein, pour Toyota jusqu'à 2005. Et malheureusement, après, ils n'ont jamais réussi à faire beaucoup mieux. Il va falloir attendre 2009 et leur dernière saison, ce qui est paradoxal, pour qu'ils puissent vraiment avoir une voiture compétitive. Et je dis paradoxal dans le sens où bah, c'est l'année où vous allez partir, donc on n'aura jamais vu Toyota s'imposer vraiment en Formule 1. Même s'ils auraient pu, hein, on se souviendra par exemple de Bahrain 2009, où ils venaient à la course à un moment quoi. Enfin c'était quand même le sursaut de Toyota. A l'inverse, la chute de BMW la même année. Sans parler évidemment de Ferrari et de McLaren en 2009 qui avait fait une année exécrable. Surtout Ferrari, puisque finalement McLaren avait bien rehaussé son niveau de jeu en fin d'année, même si quand même Raikkonen avait réussi à avoir une victoire. Mais je suis pas très rapide, hein, mine de rien. L'IA est quand même assez véloce en mode moyen, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire que ça va être intéressant si vous faites un championnat. Ça va pas être trop facile. Après, j'ai pas spécialement les bons réglages, je n'ai pas forcément d'entraînement non plus. Non, ce que j'aurais aimé un peu, c'est au niveau de HUD pouvoir retirer l'affichage des, par exemple, des drapeaux. Ça aurait été cool. Peut-être qu'on peut le faire, mais j'ai pas vu le réglage. En tout cas, je l'ai pas vu dans les réglages du jeu. Allez, on va faire start, on va faire revenir au garage. On va faire confirmer. On peut voir les temps, on va faire quitter cette séance, oui. Et on va faire... allez, juste une petite... passer la course. Non, bien sûr que non. On va faire la séance de qualification parce qu'on est obligé. On va faire commencer, voilà. J'espère qu'on va pas repartir juste devant une Toyota à nouveau. Non, c'est bon cette fois-ci. Et on va faire start pour directement passer à la suite.
Voilà, un moment donné, tour de qualif. Et on partira du coup dernier. C'est parti du coup pour la course. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de grille de départ, dans le sens où ils ne montent pas la grille de départ, en gros, promu jusqu'au dernier. Ça, c'est un petit peu dommage aussi, ça aurait pu être intégré. Ça a souvent été le cas dans les Formula 1, donc pourquoi ils l'ont retiré, je sais pas. Et du coup, le premier virage, attention, on va retarder le freinage un petit peu, on est passé à l'intérieur. Oh là là, attention, un petit peu quand même. La sommaire nous a repiqué complètement. Oh, attention! Attention, attention, attention. Ça se touche légèrement. Bon, j'ai rien cassé. Jusque-là, ça va. Et on est du coup 16e. Il y a mon coéquipier qui est juste devant d'ailleurs. On va voir si on peut le piquer au freinage, ouais. Enfin, je dis ouais, mais non, pas forcément en fait. Heureusement qu'on a traction control, hein. Vraiment, sans traction control, je pense qu'on fait toupie sur toupie à l'accélération, c'est. C'est pas évident. Là, il faut vraiment éviter les vibreurs. Par contre, dans le jeu, vous l'aurez compris, dès qu'on prend le vibreur, la voiture glisse d'un coup. On part à la faute entière. On a une qui est passée à l'intérieur et hop, c'est la. C'est Minardi? Deux Minardi? Je me suis fait dépasser par deux Minardi dans un virage, tout va bien. Alors, on va reprendre au freinage. Ouais, c'est bon, ça passe. Ouh là, on a touché un petit peu. Et il nous repasse. Ah, j'aime cette IA. L'IA, franchement, bon, elle est pas la plus. Comment dire? La plus logique dans ses trajectoires, mais en tout cas, elle est. Elle nous cherchait, quoi. Ça, c'est bien. Oula, je vais partir à la faute, je pense là. Ouais, c'est bon, je suis revenu. Attention, mon coéquipier. Et vous aurez compris qu'au niveau du dégât, même si ça reste réaliste tout à l'heure, ils sont assez permissifs. Hein. Ils ne disent pas, voilà, tu touches à peine la voiture devant, t'as les ronds qui s'arrachent ou qui est coupé en deux. Et quand même. Une petite marge, c'est là où je dis que ça reste quand même un peu de l'arcade. Oula, attention, on va essayer de prendre l'intérieur, l'accélération. Oh, j'ai pris une accélération sur la Minardi, on est passé. Et du coup, on va essayer de prendre l'aspiration sur la seconde. Je ne sais absolument pas. Si, c'est bon, la vue arrière, c'est le bouton R1. On va essayer de revenir. On est que 16e. Hein. On va prendre l'intérieur sur la Minardi. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Oh, on a une. Une Toyota à l'arrêt. Ça fait penser d'ailleurs à l'abandon de Panis en 2004. Il était dans les points, il me semble, le pilote français, et il avait abandonné justement au Grand Prix de Malaisie. Un petit peu dommage pour Panis. Panis qui en 2004 représentait le seul. Enfin, c'était le seul pilote qui représentait la France, hein, faut pas oublier. On a une période assez creuse de pilotes français à cette époque. Et alors après par contre on a été submergé de pilotes français avec les Charles Pic, les Grosjean, je vais en oublier d'autres, les Bianchi. Il y avait quand même le choix. On avait aussi Vergne, on a eu. Il y a eu une période assez faste en termes de nombre de pilotes français. Aïe! Là on a encore des pilotes français en F1, donc c'est une période qui est plus ou moins terminée. Mais si on se souvient dans les années 2000, début des années 2000, ah, je me fais sortir par une Minardi. C'était pas trop ça. Surtout quand on prend en compte la saison 94, où il me semble qu'il y a eu en tout 13 ou 14 pilotes français engagés, alors pas forcément qualifiés, mais engagés dans les équipes en tant que titulaire. Sortez de loin. Et bah justement, par exemple, D'Amata tout à l'heure, nous a repassé. On est dernier hein, maintenant, c'est complètement loupé. Alors oui, ce qu'on va faire, on va s'arrêter au stand, voir si vraiment il se passe rien. Alors Franzen a le problème mécanique, je suis arrivé comme un sagouin dans la ligne des stands. Alors, on rentre. On rentre, est-ce qu'on va avoir quelque chose à faire ou est-ce qu'on va juste traverser? Oui, on peut voir qu'il y a d'autres voitures qui ont demandé l'arrêt d'ailleurs. Ah là, ça va me faire plaisir, est-ce qu'on aura vraiment la possibilité? Bah non, je pense qu'il va rien se passer en fait. Ah non, il se passe rien. J'ai rien compris. Bah en fait, c'est rien passé. On a juste traversé, mais. Alors là, je sais pas. Si quelqu'un a une explication, je la veux bien. Mais j'ai pas compris pourquoi on s'est pas. Cette voiture s'est pas arrêtée. Elle a fait un drive-through limite, quoi. Elle a rien fait d'autre. Alors, j'ai pas les quantités d'essence et tout. Donc, je sais pas du tout si je dois m'arrêter ou pas. Mais je crois que j'avais pas activé l'essence. Donc, c'est potentiellement à cause de ça.
On va mettre un petit peu la vue embarquée. Vous voyez, quand on freine, on a un petit peu le mouvement du pilote. Et on a une caméra dynamique, c'est-à-dire que quand on rentre dans le virage, le casque du pilote, du coup, va essayer de viser l'intérieur du visage, du virage. Ce qui fait qu'on est, on a la caméra qui bouge légèrement. Cette vue est jouable, en plus, ça c'est bien. Enfin, elle est jouable, je me loupe, mais elle est jouable. Elle est pas trop compliquée, elle est assez bien faite. Voilà, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire de plus, en tout cas, bah évidemment, je vous conseille d'essayer le jeu pour faire, comme d'habitude, votre propre impression. Donc, F1 2003 sur PlayStation 2, un jeu moyen, un jeu très moyen. Mais il y a pire, comme on pourrait dire. Ce qu'on peut faire aux diffusions. Allez, on va faire aux diffusions. Allez, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde.